Donc un avion de tourisme monomoteur qui est habituellement stationné sur la plateforme de Rennes, au retour d'une navigation aérienne, a rencontré des problèmes moteurs et donc a dû procéder à un atterrissage en campagne au milieu d'un champ. Donc l'avion a réussi à atterrir dans un champ de colza à basse vitesse. À la fin de son roulage, il s'est retourné et il est passé sur le toit. Les deux occupants ont été légèrement blessés, ont pu s'extraire de l'avion et ensuite eux-mêmes appeler les secours. Les sapeurs-pompiers sont intervenus très rapidement, ainsi que les unités de gendarmerie, pour mettre en sécurité l'avion et porter secours au pilote et à son passager. Ça reste des accidents assez rares, mais qui sont pour le moins spectaculaires. Ça reste des mécaniques assez simples, qui connaissent peu de pannes, mais ça peut arriver.